J'espère que vous allez bien, je vous reprends dans ce vlog après un long moment puisque on est actuellement le 9 juin, il est 19h, je vous prends pour faire un gros update lecture, même pas que update lecture, genre j'ai plein de choses à vous dire donc du coup ben, je vais en profiter. J'ai commencé l'animé Hunter x Hunter comme vous l'avez vu, là je suis à l'épisode 2 de la saison 4 donc j'avance plutôt pas mal, même si au début c'était super compliqué pour moi parce que j'avais pas du tout accroché au premier épisode, mais après j'ai adoré ce que je regardais. Donc j'avance plutôt bien, j'aimerais bien ne pas faire que ça mais en ce moment j'ai beaucoup regardé d'animé et malheureusement je n'ai presque pas lu. Niveau lecture, j'ai terminé Chasseuse de l'ombre de Hélène VDB, donc le tome 3. J'ai beaucoup aimé ma lecture, franchement. C'était super bien, hyper addictif, très fluide à la lecture. J'aime beaucoup les personnages et j'ai hâte de lire le tome 4 pour avoir du coup le fin mot de cette histoire. Parce que oui, Chasseuse de l'ombre se termine en 4 tomes et donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir le dénouement tout simplement. J'ai commencé Demon Slayer, donc là je suis au tome 3 de Demon Slayer. J'aime vraiment beaucoup, je pense que le manga va se lire très rapidement. En plus il n'y a que 23 tomes de sortie en tout, je crois qu'en France on a 22 tomes, je crois qu'il nous manque une parution. Après avoir lu le manga je pense regarder l'animé. J'ai lu Frieren le tome 1 et le tome 2 publié aux éditions Kiun. Ce manga, j'ai un avis un peu mitigé parce que le tome 1, je l'ai pas trouvé ouf, tout simplement parce que on va dire qu'il n'y a pas d'intrigue, il se passe rien à part des petites aventures comme ça qui ne servent rien du tout, hein, pour être clair. Mais sinon l'ambiance et les dessins sont vraiment super beaux, donc du coup c'est pour ça que, enfin comme j'avais le tome 2 aussi, voilà, j'étais curieuse quand même parce que je me dis ça vraiment, de base ça peut faire super envie et ça... Enfin, ça peut être trop bien vu que c'est super original comme concept et je pense que ça peut être tellement bien exploité. Ce tome 2, je l'ai plus apprécié que le tome 1 parce que là on fait la rencontre d'un nouveau personnage. Vers la fin de ce tome 3, on commence à voir, je pense, une intrigue peut-être. Je sais pas parce que j'ai pas encore eu le tome 3. Je pense que je vais vendre le manga sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Je sais pas quand est-ce que je le mettrai mais je vais pas les garder parce que ça m'a pas plus transcendé que ça. Si je suis curieuse, je les lirai sur la liseuse puisque j'ai vu que Kobo les vendait. Ma prochaine lecture, c'est le tome 2 des Chroniques Homérides de Alison Germain. Donc c'est l'ultime oracle et j'ai trop hâte de le lire mais j'ai juste pas encore pris le temps de lire. Puisque dernièrement, j'ai juste pas lu du tout. Donc ça fait quelques jours là que j'ai pas lu et que l'envie de lire arrive. Genre j'ai vraiment envie de lire donc... J'aimerais bien me poser ce soir pour lire. Niveau réception, j'ai reçu Tant que vole la poussière de Cameron Valciano. Donc c'est le concours que j'avais fait sur le compte Instagram Ellie Demo pour le Festivelli. Et j'ai reçu mon lot du coup, je suis trop contente. C'est une lecture qui me fait vraiment envie. Une réécriture de Peter Pan. Un nouveau livre qui s'ajoute à ma pile à lire. C'est mon premier Magic Mirror et c'est écrit... Petit de ouf, je m'y attendais pas du tout. Pour finir, vous savez que dernièrement j'ai regardé l'Attaque des Titans, que mon personnage fave c'est Levi, et donc j'avais craqué sur Amazon pour la pop de Levi. Pop que j'ai reçue, mais elle est pétée,
enfin genre la boîte est pétée et c'est une contrefaçon, voilà. Si jamais ça vous intéresse ma petite story time, je vous mets en lien mon TikTok où j'ai raconté ma story time. Mais voilà, sinon il y a plein de défauts, les couleurs, les logos, enfin rien ne va. Et du coup ben on va se faire rembourser prochainement, on va avoir le remboursement et le vendeur nous a dit de garder la pop parce que les frais d'envoi coûtent trop cher. Voilà, en ce moment je pense juste pas beaucoup à filmer et voilà, mais j'aimerais beaucoup beaucoup lire, donc je vais me motiver là pour lire et regarder des animés. En fait le truc c'est que j'arrive pas encore à trouver mon équilibre. Sinon oui, samedi je vais au concert des Kings of Leon. Je vous reprends enfin dans ce vlog puisque j'ai très envie de faire un énorme tri dans ma bibliothèque parce qu'en ce moment je n'arrive plus avec ma bibliothèque. J'ai besoin de faire un énorme nettoyage parce qu'il y a des livres dedans que je relirai pas parce que j'ai envie de lire en anglais maintenant et que c'est des livres en français que je relirai pas. Et donc je vais faire un énorme nettoyage, je vais tout mettre sur Vinted dès que j'aurai l'occasion. On commence ce déménagement avec Percy Jackson. J'adore Percy Jackson, c'est trop bien, j'ai envie de les relire. Mais en anglais et je les ai en français, ils datent de il y a tellement longtemps. Donc j'ai pas envie de les garder dans ma bibliothèque en français pour juste les regarder quoi. Je vais dire au revoir au Percy Jackson que ça fait genre au moins 10 ans que je les ai. Ensuite dans le même univers j'ai le héros de l'Olympe parce que bah, la même raison c'est Percy Jackson, j'ai beaucoup aimé. Mais ceux-là ils sont en français que je veux pas les relire en français. Donc pareil, ils vont partir. Ensuite j'ai certains tomes de cette collection donc sur la mythologie nordique. Je les ai lus mais je pense que je les relirai pas. Donc je pense que ça sert à rien de les garder. Ensuite je pense que je vais me débarrasser de Pillow of the Wood. Celui-là je suis pas encore sûre à 100% mais je pense qu'il va partir parce que pareil ça fait quelques années que je l'ai. Je l'ai lu et c'était bien, enfin les dessins sont vraiment beaux et tout et, mais je le relirai pas. Ensuite la duologie Opus va aussi partir parce que pareil je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment super sympa, c'est un manga qui change énormément de ce que j'avais l'habitude de lire. Mais ça va être la même raison pour tous, je vais pas les relire et je ne vois pas l'intérêt de les garder encore dans ma bibliothèque. Quand je faisais un tri avant c'était surtout des livres que j'avais pas trop appréciés ou moins appréciés et donc du coup je les enlevais. Là je pense qu'il est temps de passer un cap supérieur et donc d'enlever des livres que même si j'ai aimé, je veux pas garder dans ma bibliothèque parce que je vais pas les relire, parce que je vais pas les lire en français donc ça sert à rien de les garder. Ensuite il y a Iruma aussi qui va partir, le tome 1 et 3 va partir puisque le tome 2 c'est un volume où il manque des chapitres où en fait l'édition est un peu nulle donc je vais juste le mettre en boîte à livres ou arracher les pages et les garder pour en faire je ne sais quoi. Mais du coup pareil c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, j'ai continué à le lire sur la liseuse et j'aime beaucoup ce manga. J'ai très envie de regarder l'anime, j'ai très envie de le reprendre aussi mais pas en papier.
papier. Ensuite j'ai Ken N, c'est un manga qui m'a été offert par Margot et je suis désolée, je vais m'en débarrasser parce que même si j'ai beaucoup aimé ce manga et que j'ai très envie de lire les autres tomes, j'ai pas envie de les garder dans la bibliothèque parce que pareil, je pense qu'une fois que je les aurai lus, je les relirai pas. Mais il faudrait que je lise la suite parce que c'était quand même plutôt pas mal et que ça se finit en 8 tomes. Par contre je crois que les Doki Doki ils sont pas en numérique sur Kobo donc c'est un peu nul. Ensuite les labyrinthes vont partir, je les veux plus dans ma bibliothèque. C'est le premier livre que j'ai eu dans ma bibliothèque, premier livre que j'ai lu et je pense qu'il est temps d'en débarrasser parce que je les relirai pas en français. J'ai besoin de ce changement et d'enlever tous les livres que je ne relirai pas. Hop, donc j'ai tout ça qui va partir, ça me fait quelque chose mais je suis contente de m'en débarrasser parce que ça fait juste trop longtemps qu'ils sont là alors que ça fait peut-être plus longtemps que j'ai envie de les faire partir. Ensuite j'ai The Deal et The Mistakes de Elle Kennedy. C'était les livres de ma sœur et en fait je les ai récupérés parce que j'aimais beaucoup Off Campus mais je pense que je vais les vendre parce que je veux pas les garder dans ma bibliothèque même si je les ai aimés. Ensuite je me débarrasse de Maybe Someday, mon livre favori de Colleen Hoover. J'adore Maybe Someday et justement c'est parce que je l'aime trop que je le relirai pas en français si je dois le relire. C'est déjà un livre que j'ai lu 3 fois mais pareil c'est la même raison, je veux pas le garder dans la bibliothèque. Ensuite on a Zelle, l'ange mercenaire. Pareil, je pense que je vais me débarrasser parce que ce livre, ça fait des années que je veux la suite. Vraiment, c'était hyper bien. Et malheureusement, la suite n'est jamais arrivée, donc je pense pas qu'elle viendra un jour et j'ai pas envie de la garder dans ma bibliothèque. Ensuite, dernièrement, j'ai lu Free Rain et ça l'a pas fait avec moi. Je trouve que c'est sympa, les dessins par contre sont hyper beaux, mais j'ai pas du tout accroché au personnage, à l'intrigue, qui a pas d'intrigue dans ces 2 tomes, je trouve. Mais sinon, ça l'a pas du tout fait avec moi et je pense que je préfère m'en débarrasser pour essayer d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Ensuite, je pense que je vais me débarrasser de Orange, un manga que j'ai adoré, mais vraiment, c'est trop bien, mais c'est un manga un peu spécial parce qu'il est horriblement triste, horriblement déchirant, et donc je sais que pour cette raison je ne sais pas si j'aurai la force de le relire. C'est tellement un manga que j'ai adoré vraiment du fond du cœur, c'est trop bien. J'ai essayé de regarder l'anime et impossible de regarder l'anime, vraiment j'arrive pas du tout et je pense que je vais m'en débarrasser parce que je les relirai sûrement pas parce que c'est trop dur de les relire. Ensuite je pense que je vais me débarrasser de mes Harry Potter que j'ai depuis un petit moment, c'est toutes les éditions comme ça. Je les avais tous achetés d'occasion, donc ils sont dans un état. Le tome 1, il a été annoté, et il a dû tomber dans la flotte aussi. Et ouais, du coup, je pense que je vais essayer de les vendre pour genre vraiment pas cher. Enfin, je trouve les couvertures vraiment belles, mais je les relirai pas. Ensuite, je pense que je vais me débarrasser de tous mes tomes de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Ce livre que j'adore, que j'aime tellement, c'est trop bien. J'ai fini la saga et je pense que je vais arrêter d'acheter les tomes parce que j'ai pas spécialement envie de les garder dans ma bibliothèque. Et donc j'ai tout jusqu'au tome 7. Ensuite je pense que je vais aussi me débarrasser de L'éveil des sorcières de Cordelia parce que je l'ai lu récemment et même si j'ai beaucoup aimé, genre c'était super bien. J'ai trop aimé cette petite trilogie super douce et tout. Je les relirai pas je pense, donc ça sert à rien de les garder. Du coup je pense que je vais me débarrasser de Spider-Man, l'histoire d'une vie, parce que c'est un livre que j'ai lu une fois, que je relirai pas. Que voilà, je sais pas, j'ai un peu de mal avec les comics je pense. J'en ai pas lu beaucoup mais ça me marque jamais tellement. Ensuite il me reste 3 Twisty Tales en anglais que je relirai pas, que je veux pas garder dans la bibliothèque, donc pareil je m'en débarrasse. Et pour finir il y a 2 livres de Leigh Bardugo que je sais pas si j'ai envie de me débarrasser ou pas. King of Scars parce que j'ai bien aimé ce tome 1 mais que le tome 2 j'avais pas trop apprécié, je sais pas si j'ai envie de les garder dans la bibliothèque. Et Ninth House parce que j'ai pas spécialement accroché avec cette lecture, c'est un mouais bof, je sais pas, faudrait que je relise pour voir si je me fais si j'aime bien ou pas. Mais c'est ce livre, je l'ai en tous les formats possibles parce que j'ai craqué en anglais, en français, je l'ai acheté en papier. Donc celui-ci c'est pas grave, si je l'ai plus dans ma bibliothèque, je l'ai sur la liseuse en français et en anglais, donc celui-ci ça va aller. Donc voilà, je viens de faire tout le tri de ma bibliothèque. Ce qu'il y a dedans, c'est ce que je vais déjà garder. Je vous montre après les dégâts qu'il y a sur mon lit. Niveau pop, je pense que j'ai pas besoin de faire de tri parce que j'en fais assez régulièrement. Par contre, je pense que je vais me débarrasser de la baguette de Suro parce que pareil, je vois pas l'intérêt de la garder. Donc voilà, il va falloir que je mette tout ça sur Vinted. Je vais vous montrer les dégâts parce que c'est n'importe quoi. Tout ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, c'est ce qui va partir. Donc il faut que je mette de la place pour mettre sur Vinted. Et toute la pile ici, c'est les je sais pas. Donc à voir.
J'ai toujours la même tête parce qu'aujourd'hui j'ai fait que ranger ma bibliothèque, ma chambre. C'est chose faite, je vais vous montrer ma bibliothèque. Du coup j'ai fait un tellement grand tri que j'ai gagné une bibliothèque et donc je peux enlever une bibliothèque. Est-ce qu'on peut me féliciter s'il vous plaît? Et donc voilà ce que ça donne, j'ai réussi à gagner une bibliothèque et donc j'ai mis toutes mes pop dans une bibliothèque. C'est magnifique, est-ce qu'on peut en parler genre de cette beauté? Bon, je vous reprends très rapidement puisque j'ai reçu un colis et que c'est un colis que j'attends énormément. C'est une pop, on va voir la pop que c'est, enfin moi je sais c'est quoi, mais je vais vous raconter toutes les péripéties qui m'arrivent avec cette pop. Dernièrement, moi et les pop, on n'est vraiment pas copains, il m'arrive que des bricoles. C'est Kirua Zoldyck de Hunter x Hunter, j'ai terminé l'animé il y a pas très longtemps, je sais même pas si je vous l'ai dit. Bon, là elle est un petit peu déchirée, c'est pas grave, on pardonne parce que... Oh, là aussi elle est un peu pétée. Bon c'est pas grave, on pardonne parce que j'ai retourné la terre pour cette pop. Je crois que vous allez pas le voir mais j'ai déjà Hisoka. J'ai Hisoka dans ma bibliothèque. Il est incroyable. Il est incroyable. Kirua, meilleur personnage de Hunter x Hunter avec Hisoka. Il est magnifique. Je pensais que je l'aurais jamais parce que faut savoir que j'ai commandé sur Amazon Kirua. La commande a été validée, tout ça. J'attends une semaine et demie, presque deux semaines. Et on envoie un mail pour dire que la commande est annulée parce qu'il n'y a plus de stock. La veille de quand je dois la recevoir, genre c'est horrible, j'étais dégoûtée. Et du coup, hier, le jour où je devais la recevoir, je suis allée sur Amazon, j'ai recommandé une pop Kirua qui était presque au même prix, je l'ai payé 1€ plus cher. Et elle était disponible avec Prime. Du coup, je l'ai pris, je l'ai eu aujourd'hui. Il est trop beau, il est magnifique. Alors du coup j'avais laissé une petite place. Et voilà, oh là là, je suis fan. Bon du coup je reviens super rapidement juste pour vous faire un manga haul puisque aujourd'hui on m'a offert des mangas, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai réussi à avoir en avant-première le tome 33 de My Hero Academia. Il doit sortir demain, j'ai réussi à l'avoir aujourd'hui. Juste après ce clip, je vais lire ce tome 33 que j'ai trop envie de lire. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a Marvel qui vient de s'installer. Je vais sortir les post-it pour la noter parce que My Hero Academia. Ensuite, avec le pass culture de ma sœur, je me suis pris le tome 1 de l'Attaque des Titans, édition colossale. Elle est vraiment magnifique cette édition, elle est énorme et on a des petites planches en couleur. Vous allez voir que, ah, voilà, comme je l'ai dit, on a des petites planches en couleur comme ça. Du coup, les dessins sont super gros, donc on voit super bien. Moi qui suis aveugle, j'adore cette édition. Et du coup, je me suis pris le tome 2 avec, parce que pourquoi pas. Moi, je dis oui. Et donc j'ai trop hâte aussi de les lire parce que l'Attaque des Titans, tout simplement, c'est trop trop bien. Il faut que je les pose parce que vraiment ils sont tellement lourds. Mais voilà, je suis tellement ravie. Du coup, voir tous ces nouveaux achats, ça me donne tellement envie de lire. Et donc je pense que je vais me poser pour lire My Hero Academia. Et ensuite, je vais essayer de finir ma lecture en cours qui est L'Ultime Oracle d'Aïe Saint-Germain. Puis je viendrai vous en reparler et on clôturera le vlog sur cette lecture. Je vous reprends enfin pour clôturer ce vlog qui aura été, ma foi, extrêmement long et un petit peu catastrophique sur les bords, mais c'est pas grave. Alors, du coup, je reviens pour faire un point très rapide.
parce que je sais plus du tout ce que j'ai lu dans ce vlog, mais c'est pas grave. Niveau lecture, j'ai terminé le manga Demon Slayer, puisque à l'heure actuelle, on est le 8 juillet, que le tome 23 de Demon Slayer est sorti le 6 juillet, que j'ai eu le temps de me le procurer et que je l'ai lu. Donc, j'ai fini le manga Demon Slayer, c'était tellement bien. Au début, comme je l'ai beaucoup dit, je sais pas spécialement, enfin ça se regardait, ça se lisait, c'était pas non plus fou. Et ensuite, passé un certain tome, bah, il se passe beaucoup plus de choses, on est plus à fond avec les personnages, on découvre de nouveaux personnages, il y a beaucoup d'action, donc j'ai adoré. Et le dernier tome, mon dieu, mais une pépite, c'est ouf, c'était trop trop bien. Maintenant, j'ai commencé l'animé, enfin j'ai continué, je crois que je suis à l'épisode 11 de la saison 1. Je vais continuer, mais je prends mon temps pour le regarder. Ensuite, j'ai terminé l'ultime oracle, donc c'est le tome 2 des chroniques Homéride de Alison Germain, que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, le fait que je l'ai énormément fait traîner sur plusieurs semaines, enfin ça a un petit peu cassé mon rythme de lecture malheureusement, mais c'était vraiment super bien. À chaque fois que je me replongeais dans cette lecture, j'étais super contente. Ça se lit super bien, c'est rapide à lire, c'est très fluide. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si le personnage de Louise dans ce tome-ci est un petit peu agaçante, mais en fait j'ai l'impression qu'on avait envie de la sentir agaçante pour ensuite voir une évolution du personnage, parce qu'elle s'est pris beaucoup de réflexions d'autres personnage en lui disant bah, pourquoi tu fais ce genre de réflexion et tout ça. Donc je pense qu'il y a eu une évolution du personnage dans ce tome-ci, et la fin est riche en action et en rebondissements, et comme la fin du premier tome, j'ai envie de me jeter sur ce troisième tome. Je ne vais pas enchaîner avec le troisième tome tout de suite, puisque là, ma prochaine lecture, ça va être Chasseuse de l'ombre, le tome 4 de Eline VDB, qui est le dernier tome de la saga. Et donc, voilà, ma prochaine lecture. Pour ce qui est de mon animé Hunter x Hunter, je vous ai dit précédemment dans le vlog que j'avais terminé l'animé, et je vous avais pas fait un avis global sur cet animé. Cet animé, je dois avouer que la première partie de la saison 1, je regardais sans trop vraiment regarder, en fait, je regardais l'animé tout en faisant autre chose. Donc ça passait beaucoup plus vite et j'ai enchaîné les deux, trois premières saisons que j'ai vraiment dévoré quoi. Il me semble que la saison 4 c'est l'arc des fourmis chimères, et le premier arc des fourmis chimères, donc le début, j'étais pas trop emballée, et puis ben forcément après, vu que c'est un énorme arc avec beaucoup d'épisodes, ben forcément j'ai commencé à apprécier les autres personnages, à tout ce qui arrivait, et donc j'ai beaucoup aimé la fin de cet arc et puis la dernière saison. Et genre je comprends pas comment est-ce qu'on peut terminer un animé sur ça, vraiment il y a tellement de questions sans réponse, et ben je sais pas trop. C'est quand même super bien, et je crois même qu'il y aura potentiellement une suite d'adapter en animé. Je sais pas trop, en fait j'ai entendu certaines choses mais je sais pas du tout si elles sont vraies ou pas, comme quoi Hunter x Hunter reviendrait dans un animé. Voilà, je me dis que j'aimerais bien peut-être lire les mangas aussi, mais j'ai pas vérifié s'ils étaient sur Kobo, donc on va vérifier ensemble. J'ai trouvé le manga sur Kobo, c'est trop bien. Du coup, bah, je pense que je vais lire le manga, enfin c'est pas prévu pour tout de suite du tout, mais je me dis pourquoi pas un de ces quatre lire le manga. Je vais arrêter le vlog ici et j'en reprendrai un autre. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, en ce moment, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye!